Arema, Dieu est ici, sur Arema. Qui veut être connu? Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre programme de méditation, le Réma de vie. Nous sommes mardi le 12 mars 2024 et nous sommes avec le docteur Lizzie Johnson-Suleiman. La lecture de la Bible aujourd'hui, nous lisons 1 Samuel, le chapitre 1 au chapitre 3. Et le thème de cette méditation, c'est « Réviser votre vie ». Le texte dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez pas réprouvés. » 2 Corinthiens 13, verset 5. Dans votre vie quotidienne est la voix la plus forte qui exprime votre croyance. En tant que chrétien, vous devez donc revoir ce que vous croyez vraiment et décider de vivre la vie chrétienne en vous examinant vous-même et vos actions. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris le temps de se regarder spirituellement. Allumez la lumière de recherche sur vous-même et demandez-vous. Quel genre de vie est-ce que je vis? Comment ai-je été? Est-ce que j'exprime l'amour du Christ en vérité? C'est Réma. Dieu est ici. Sur Réma. La parole a-t-elle affecté ma communication, mon caractère, en manifestant le royaume de Dieu dans l'humilité et la justice? Vous devez réfléchir à ces pensées de temps en temps lorsque vous évaluez votre vie dans le seul but de bâtir et de maintenir un excellent caractère, comme dit Romains, chapitre 12, verset 2. Assurez-vous que vous avez mis la parole à l'œuvre dans votre vie personnelle. Dans Actes, chapitre 24, verset 16, l'apôtre Paul a déclaré « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Assurez-vous que votre volonté et votre émotion et vos émotions sont toujours soumis à la Seigneurie de Jésus. Pensez, revoyez votre vie avec la parole aujourd'hui. Le nom de Dieu doit transformer votre vie et prouver que vous êtes celui que Dieu attend de vous. Bien-aimés, prions. La prière dit aujourd'hui, mon Père, pendant que je prie, brise-moi et reconstruit en moi l'excellent caractère de Jésus-Christ. Que cela soit notre prière. Amen. C'est Réma. Dieu est ici. Sur Réma. Qui veut être connu?